bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui je vais répondre à une petite question qui m'a été posée plein de fois en privé sur les commentaires YouTube, etc. Pourquoi tu joues sans casque à Escape from Tarkov? Tu es un grand malade mental, Tom Fury, tu es fou. Et est-il possible de jouer sans casque? Est-ce que c'est facile? Pourquoi tu fais ça, etc. Donc je vais répondre à toutes ces questions-là dans cette vidéo, très simplement, très naturellement. Donc là déjà, pour répondre à la première question, oui, c'est possible de jouer sans casque. Voilà. Personne ne va venir chez toi te manger parce que tu joues sans casque, c'est largement possible. Et du coup, il y a des raisons pour lesquelles je fais ça. Je vais vous les expliquer. C'est deux raisons. La première, c'est que j'ai fait de l'e-sport de 2004 à 2013 sur Counter-Strike, donc 1.6, CSS et CSGO pour ceux qui connaissent. J'ai été joueur semi-professionnel, j'ai été administrateur de LAN, organisateur de LAN, j'ai été manager d'une équipe féminine. Et donc du coup ça demandait beaucoup d'entraînement, je gagnais pas ma vie avec, je me faisais un petit billet à la fin du mois, un gros même billet, mais ça me permettait pas de payer mon loyer. Et du coup j'avais le casque, dès que j'entrais du travail en fait, j'avais le casque sur les oreilles pour pratiquer, etc. Et j'en ai eu marre de tout ça, parce que les oreilles chauffent avec le stress, tout ça, les oreilles chauffent. Et tout ça, donc là, une fois que j'ai terminé en 2013, donc ça fait 6 ans maintenant à l'heure de la vidéo, j'ai arrêté de porter le casque tout simplement. Donc je monte un peu le son un peu fort. Non, ça on va expliquer plus tard. Et la deuxième raison, c'est que maintenant, bah, j'ai depuis même plusieurs années, hein, c'est bien, bah, c'était même un peu avant 2013, et bah, j'ai une vie en fait qui est autour de moi. Donc je suis marié pour ceux qui ne savent pas. Donc du coup il se passe beaucoup de choses dans l'appartement et moi j'aime bien être au courant de ce qui se passe. J'aime bien tout entendre en fait, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Même s'il se passe rien du tout, je veux quand même tout savoir, tout entendre, et des fois même j'ai envie de discuter avec les personnes qui sont autour de moi, qui sont chez moi. Et donc c'est pour ça que je fais pas beaucoup de Twitch en fait, pour y en a qui m'ont posé la question, pourquoi tu fais pas beaucoup de Twitch? Mais parce que voilà, en fait j'aime bien interagir avec avec ma femme qui est derrière, etc. Et donc voilà, donc je n'ai pas de casque parce que je veux absolument tout savoir ce qui se passe en direct chez moi, ce qui est normal, la vie social en premier avant les jeux vidéo. Et donc pourquoi on n'entend pas en écho quand je joue et le micro? Donc c'est tout simplement, et ça le fait pour tout le monde je pense, que j'ai un casque micro, donc SteelSeries Arctis 7 je crois, qui est en, j'ai la version prise jack, donc j'ai branché, etc. Et en fait, quand il est en prise jack, tu peux faire une configuration qui fait que tu joues, tu peux capter le son qui vient d'un endroit et pas d'ailleurs. Donc par exemple, moi j'ai configuré le fait que cette partie-là du micro capte ma voix. Voilà. Donc j'ai acheté ça. Ça fait du bruit dans la vidéo, je suis désolé. Une mousse, hein, parce qu'on se plaignait beaucoup du fait qu'on entendait mes... Tu vois? Et voilà. Tac, tac, tac. Désolé pour le bruit. Hein. Voilà. Et du coup, donc ça capte que ma bouche et ça, en aucun cas ça va capturer ce qu'il y a derrière. J'ai un home cinéma en 7.0, donc c'est-à-dire que j'ai plein d'enceintes partout. Et ça capte pas non plus quand c'est super loin. J'ai pas mis de basse, j'ai enlevé la basse. J'ai les enceintes derrière les écrans en fait. Et pour Escape from Tarkov, ce que je fais, le sourdine. Donc le casque en fait m'aide beaucoup dans le jeu. On entend vraiment bien quand on n'a pas de casque avec ça, ça m'aide pas mal. Dans les options, je suis à 80%, parce que 100 c'est beaucoup trop en fait par rapport à mes autres setups que j'ai mis, par rapport à mes autres applications sur l'ordinateur. 80, ça m'oblige pas à diminuer le son Windows en fait quand je fais quand je quitte. J'ai tout optimisé, je suis un expert. Et du coup, et ça fait pas chier les gens qui sont derrière moi, ou ma femme surtout particulièrement. Donc voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle je joue sans casque. Des fois je le fais, quand par exemple j'ai envie, voilà, tout simplement, ou par exemple les gens qui m'entourent sont occupés à d'autres tâches et qu'ils ont besoin de silence, parce que ça casse les couilles aussi d'entendre des tout le temps. Et du coup, donc je mets le casque et voilà quoi. Donc j'ai pu juste pour me concentrer des fois, et puis pour carrer un peu les games quand j'ai vraiment plus de thunes. Donc voilà comment je fais. Donc le sourdine, je baisse un peu le son du jeu. Généralement je baisse. Merde, qu'est-ce que je fais? Je baisse toujours les musiques, tout ça, le chat, j'enlève tout le temps. Tout le temps. Dans tous les jeux vidéo.
Pour Counter-Strike, c'est pareil. De toute façon, Counter-Strike, quand je joue avec l'expérience que j'ai acquis, j'ai joue beaucoup au radar. Mais bon, c'est pas le jeu auquel on parle. Donc voilà. Donc si vous aimez, vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans les commentaires. Donc voilà, c'était juste pour faire passer ce petit message-là. Je voulais vous dire aussi que mes vidéos sur Escape from Tarkov allaient être de moins en moins fréquentes sur la chaîne. Donc je voulais en profiter pour vous faire ça parce que on en est qu'à 5 minutes. Pourquoi? Parce que je trouve que le jeu devient un peu barbant. Il n'y a vraiment aucune nouveauté depuis la 11.7. Et pourtant j'adore ce jeu. Je vais continuer à faire des vidéos, attention, hein. Il y aura des compilations, des tutos qui vont continuer à sortir, mais pas tous les 2 jours comme je faisais avant ou tous les 3 jours. Ce sera une fois par semaine à peu près, si je trouve des idées. Voilà. En tout cas, je voulais passer aussi cette vidéo, c'est un peu une vidéo brouillon hein, finalement. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Franchement, merci beaucoup. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord de mon association. Hein, je répète que je fais partie d'une association de joueurs en ligne qui existe depuis 1996. Je sais que pour ceux à qui j'ai joué, je les ai barbés avec ça. Et je vais continuer à le faire parce que je vais vous faire chier jusqu'à ce que vous veniez. Que vous imprégnez dans la tête que Balocu, ça s'appelle Balocu l'association, c'est une superbe communauté. Donc pour ceux qui ont l'habitude de jouer solo, qui cherchent une communauté fixe, fidèle, et très investie surtout, ça c'est très important, on est très investi dans ce qu'on fait et on aime cette association. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, que vous trouvez le lien dans la vidéo. Le site internet, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Il est en bêta test, hein, il n'est pas encore fini, donc il y a plein de modifications à faire, il est un peu vieux, Balocu pourrait faire. Donc voilà. Je vais en parler d'autres choses dans les prochaines vidéos aussi, parce qu'on organise des LAN tous les ans, tout ça. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc, je vais pas vous retenir plus longtemps. On en a 7 minutes. Je voulais juste vous expliquer pourquoi je joue sans son. Donc, du coup, pour Escape from Tarkov, donc le sourdine. Tac, sur les oreilles. Et pour mieux voir les ennemis. Donc, ça, après, il faut voir les tutos. Game. J'ai du coup. C'est où? Non, c'est un graphique. Le sharpness, je l'ai monté à 0,6. Je crois que j'avais dit de le monter à 0,2, 0,3. Enfin, c'était ma façon de jouer. Mais maintenant, en fait, j'ai augmenté à 0,6. Et des fois même, je le monte à 1,3. En fait, on distingue vraiment mieux les ennemis. Et vu qu'on joue pas, il n'y a pas vraiment de son. Ben, c'est mieux de voir la Dora, le premier contact physique, en fait. Donc, je tourne souvent sur moi-même. Et j'essaie d'avoir le premier contact physique. Donc, voilà. Je vous en dis pas plus. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Encore merci, merci de partager, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous, tout ça, c'est très important. D'accord? Je vous dis à une prochaine. Très prochainement, il va y avoir une compilation d'Escape from Tarkov d'un YouTube, d'un abonné à moi, d'un abonné qui vient jouer chez nous, qui regarde tout ce qu'il fait. Donc ça sera la prochaine vidéo qui sortira peut-être dans 2 jours, je crois. On est quel jour? On est mardi, mais jeudi, je pense que jeudi elle sortira, c'est sûr. Donc je vous dis à une prochaine. Reposez-vous bien. Ciao.